Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ferme les yeux exprès. Qu'en pensez-vous? Oh, bah, c'est pour faire la fête, hein. Non, 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 malheureusement. J-1, eh bah, ben J-1, on ne fait pas la fête au jour J. Non, non, chez nous, c'est... Voilà, sans fête du Nouvel An. Donc, je pense que je me réveillerai même pas au coup de pétard. Non, non. Donc, ben voilà quoi. J'ai bien dormi, encore une fois. Bon, bah, ça fait du bien. Je me suis levée tôt. J'ai voulu faire une vidéo avec micro, avec mon appareil photo. Je regarde la vidéo par acquis de conscience. Pas de voix. Donc, je ne peux pas mettre le micro. Mais heureusement qu'il y a un bon son sur l'appareil photo. Voilà. Donc, je me suis embêtée à faire une longue vidéo pour rien. Rien du tout. J'aimerais bien refaire la vidéo, mais maintenant je me souviens plus. Il y a un ou deux moucherons qui m'embêtent. Donc en fait, je vous disais haul AliExpress. La lance, le cache, le micro, bon bah il fonctionne pas. La lentille n'est pas à la bonne dimension, mais il m'en renvoie une. Je vais vous montrer ce que j'ai pris d'autre. La fameuse équerre qu'on m'a volé. Donc là, il y a mon nom dessus. Et je vais même peut-être le graver. Je vais voir si j'y arrive. La petite girafe. Alors, j'ai fait la découpe avec les taches. Alors, attendez que je vous montre les sabots. Voilà. Très mimi. Par contre, la queue, on n'a pas intérêt à tirer dessus parce que c'est tout fin, tout fin. Donc voilà, je vais vous montrer la découpe. Je l'ai même fait avec vous, mais bon. Ah, maintenant, c'est fait, hein. Deux tampons. Lavina, donc c'est deux scies. Voilà. Et puis c'est tout, je crois. Oui, c'est tout. C'était déjà pas mal comme haul. Donc voilà. Excusez-moi, ça gratouille. Alors je fais attention parce que la lentille ne saute pas. Oui, j'en ai pas mal des lentilles de couleur. Mais celle-ci, c'est
l'une des plus impressionnantes. Donc, j'en ai une avec un flocon de neige. Bon, une paire de noirs. Alors là, on voit que dedans. Hier, j'avais les violettes style manga. Donc pareil, style manga, il y a une trame devant la pupille, donc on voit gris et pas trop bien. Celle-là, on voit bien. Bon, après, j'ai des violettes normales, j'ai des, voilà, des iris verts, mais striés, hein. En fait, des deux couleurs normales. Voilà. Sinon, j'en ai des pleines comme ça, violettes. Et puis voilà, bah, celles-ci, je les aime bien. Parce que c'est pas. Je trouve que ça me va bien. Qu'en pensez-vous? Ouais, j'aime bien le blanc entouré de bleu. C'est. Bah, quand je m'approche du miroir. Je me rends compte que, ben, en fin de compte, moi qui voulais me cacher de mon père s'il me voyait dans la rue, ben là, il ne m'aurait pas reconnu du tout, hein, avec des lentilles de couleur. Excusez-moi, c'est un moucheron. Mais ils sont attirés par l'eau, donc dès que je me mouche ou quoi, ça y est, ils sont attirés. Même si je viens d'arroser les plantes, et ben, ils m'embêtent. Ah si, la micro SD, j'ai oublié de vous dire, c'est une 512 gigabits au lieu d'une 64. Donc voilà, j'ai fait un sacré pas en avant parce que c'est la plus puissante. Voilà. Oui, j'ai trouvé à 9,95 ou 99, je sais plus. Donc j'ai dit, oh, là, c'est super intéressant et c'est une professionnelle. Donc, je me suis amusée ce matin. Mes ratounets, ils réclamaient des friandises. J'ai dit, c'est la bonne occasion, il faut que je les filme. Donc, je les ai filmés. J'ai pas oublié d'enlever le cache. Bah oui, parce que tout est à acheter séparément, quoi. Donc, j'avais acheté la dragonne. Donc, je l'ai laissée. Pourquoi? Parce que si je suis dans la rue, il vaut mieux que je mette la dragonne en plus, qu'on ne me chourave pas l'appareil photo. Vous voyez, ça se voit à peine. Dans la rue, ben voilà quoi. Ils voient que j'ai ça, que ça, c'est fin, ils me l'arrachent. J'ai toujours la dragonne. Voilà. Voilà tout, c'est tout. J'y tiens. Ah bah oui, c'est.
Il va sur la Wi-Fi en plus celui-là, donc j'y tiens doublement. En plus, ça là, ça peut lâcher. Alors, on tire dessus fortement, ça lâche, c'est sûr. C'est du plastique. Donc voilà. Donc j'ai gardé la 64 au cas où j'ai besoin d'un supplément, mais pour l'instant toutes mes photos sont sur une clé USB de 4 gigas. Donc, je stocke tant que je peux. Toute façon, c'est sur mon ordinateur. Donc, enfin, sur le disque dur externe. Donc, voilà. Donc prochainement je vous ferai une vidéo de l'appareil photo, mais il faut que je retrouve mon sac où il y a pour mettre mon ordi. Je ne sais pas trop où il est. Il doit être dans la scrap room, hein. Mais non, dans la scrap room, enfin d'à côté quoi. Hein. Mais où? En dessous de la table, c'est sûr. Mais il faut que je cherche, il faut que je pousse tout. Et puis retrouver l'adaptateur. Oui, c'est le plus compliqué. À savoir où est l'adaptateur, s'il faut que j'en rachète un. On verra bien. Et puis je vous montrerai aussi mes ongles. Je faisais des étoiles. Bon, bah là, maintenant, il n'y a que cette main-là qui est à faire. Et vous voyez, j'ai rajouté des étoiles. Là. Et pas ces deux-ci, là. Pas celui-là, ni celui-là. Donc, voilà. Donc c'est du semi-permanent. Donc c'est un liner semi-permanent. Donc pour le pouce, ils sont pas trop mal réussis parce qu'elles sont épaisses et sont un peu style manga quoi. Hein? Voilà. De toute façon, j'adore le style manga. Comment ça s'appelait? Ça me reviendra quand ça me reviendra. Fabi, voilà. Dentelle, tout ça, dentelle noire, dentelle, voilà. J'ai encore les ombrelles en dentelle. Donc je sais pas si je pourrais remarcher normalement un jour. Hier matin, j'ai été voir l'urologue. J'ai à m'examiner moi-même, en fait à quantifier le litrage
de la journée et peser les couches avant. Donc, pendant 7 jours, en ne bougeant pas de la maison, évidemment. Voilà. Mais il a noté que quand je me relevais, tout de suite j'avais envie d'aller aux toilettes, quoi. Et je lui ai dit, à mon âge, c'est un petit peu embêtant. Il m'a dit, très embêtant. Donc, voilà, j'ai toutes les preuves. Comment dire, médical, à mettre dans un classeur par ordre chronologique les ordonnances aussi. C'est pas ça va pas être facile, ça. Ah ouais, non, mais il m'a dit, vous savez, faites ça parce que avec il a vu le nombre de d'ordonnances. Il m'a dit, avec tous les médicaments que vous prenez, faites ça parce que, et à chaque médecin que vous allez voir, apportez-lui le classeur, comme ça vous avez tout. Alors, donc je l'ai remercié de ses conseils, hein, parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé. Voilà. Très gentil, très très attentif à la personne. Et il m'a dit, tu dois prendre un rendez-vous et de tout lui amener, quoi. Donc, bon, le mois prochain, quoi. Maintenant, faut que j'appelle mardi pour prendre un rendez-vous. Et puis voilà. Donc voilà. Il revient mi-janvier. Donc d'ici là, il faut que je fasse mon test, mes tests d'une semaine là, et mon classeur. Ça va pas être marrant de rechercher tout. Ah, j'ai oublié de lui dire que je m'étais cassé le bassin. Ça peut y jouer. J'avais mal au rein. C'est pas grave, je lui dirai. De toute façon, je vais mettre le rapport du. Ah ben, je l'ai même pas. Si, je l'ai, je sais plus. Je sais plus. Enfin bon. Donc voilà. Je vous laisse là. Je vous dis à plus. Et voilà. Et voilà.